Salut, c'est Anne Ortheris. Aujourd'hui, je vais te parler de la jalousie et que faire avec ta jalousie si tu en souffres. Je vais te partager une expérience que j'ai eue qui m'a rappelé que, à la base, a priori, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais c'est venu me piquer ces dernières semaines et ça m'a reconnecté avec cette émotion-là. Émotion qui, dans le passé, perso, étant donné que ça pique vraiment quand même comme émotion, c'est plutôt le genre de truc que je faisais non, mais en fait, j'ai pas envie de vivre ça. Et j'ai découvert au travers de cette expérience que j'ai vécue, qu'est-ce qui se trouve derrière la jalousie. Donc, quand tu vois la jalousie comme ça en disant. Simplement, putain, cette nana-là, mais je la déteste en fait. Pourquoi est-ce que je suis partie de là? Mais simplement parce que ce sentiment de jalousie, et c'est ce que j'ai compris, venait réveiller chez moi de l'envie. Et donc, tu vas voir que quand tu es jaloux de quelqu'un, quand tu es envieux, parce que c'est ça en fait, si tu veux, la jalousie, ça a comme base la blessure de trahison. Et donc, en fait, ce qui est intéressant à savoir avec la blessure de trahison, c'est que tu te mens à toi-même. Donc ça, c'est vraiment le traceur de fond. Tu te mens à toi-même, les autres te mentent, tu mens aux autres, c'est la fête. Voilà, c'est le bordel en fait. Mais ça, c'est vraiment la base de la blessure de trahison. Et donc, en fait, le mensonge dans cette partie-là en particulier de la blessure de trahison consiste à dire, mais en fait, c'est la faute de l'autre. Mais en fait, non, c'est pas la faute de l'autre. L'autre vient juste quelque part réveiller quelque chose chez toi que tu ne vois pas, que tu n'as pas envie de voir et qui permet de justifier le film que tu es en train de te faire et l'histoire que tu es en train de te raconter. Et donc, l'idée, le premier truc que je t'invite à faire dans le cas où voilà, tu as tendance à la jalousie, tout premier truc que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre conscience qu'en fait, tu vas avoir la surface, ce que ton ego te raconte à ce sujet-là. Par exemple, ben voilà, j'aime pas cette nana parce que elle s'autorise à, je sais pas moi, mettre du rouge à lèvres alors que moi j'en mets pas et je trouve ça vulgaire et en même temps je vois que, je sais pas, mon compagnon est en train de la regarder avec envie et ça me fait chier à mort et je la déteste et tu vois, c'est en train de monter en fait. Donc dans la blessure de trahison, la colère, elle vient assez vite aussi. Et donc tu vas voir ces sentiments qui sont en train de monter et ce que je t'invite à faire, c'est à pouvoir te dire, ok. Donc là, je suis en train d'en vouloir à quelqu'un ou je suis en train de juger et de critiquer cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en moi? Qu'est-ce qui me rend allergique quelque part à cette personne? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que je t'invite à faire, c'est à te demander qu'est-ce que cette personne s'autorise que toi, tu ne t'autorises pas. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est que généralement, la jalousie, donc l'envie, qui est poussée à un niveau complètement extrême parfois, en fait, cette jalousie t'empêche de voir que tu es juste en train de juger une personne parce qu'elle s'autorise quelque chose que toi, tu es en train de censurer chez toi, que tu ne t'autorises pas, que tu as muselé quelque part chez toi. Et donc, ça devient vraiment très très intéressant de laisser remonter ce sentiment pour le vivre à fond, pas pour défoncer la personne. Donc ça, on ne fait pas du mal aux enfants des autres, on n'a pas le droit de faire ça, juste parce que tu vas te faire du mal à toi en fait, c'est pour ça que tu dois pas le faire. Et donc en fait l'idée, je suis distraite, hein. Moi les troubles attentionnels, j'ai pas été testée mais à mon avis j'en ai plein, il y a des pies qui sont là en train de faire un nid et c'est trop beau, donc voilà, je suis distraite par les pies, bref. Quand tu as cette jalousie qui apparaît, c'est en fait un cadeau que ça te fait. C'est un cadeau que la vie t'offre, que cette personne en face de toi t'offre, pour repérer qu'est-ce que tu censures chez toi, qu'est-ce que tu t'empêches, et surtout te demander, mais pourquoi est-ce que tu t'empêches de vivre ça? Pourquoi tu t'empêches de, toi aussi, porter du rouge à lèvres? Pourquoi tu t'empêches de t'habiller un peu plus sexy? Pourquoi tu t'empêches de réussir dans la vie si, je ne sais pas, l'autre a de l'argent et que toi, ça te fait super fort envie, que ça te fait super fort chier, que cette personne est quelque chose et pas toi? Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu t'empêches de faire ça? Quelle est la partie en toi qui ne croit pas que tu peux faire ça, que tu as le droit de faire ça, que tu peux t'autoriser à faire ça? Qu'est-ce qui te censure en fait? Et alors,
Il y a aussi l'autre côté de la jalousie, parce que c'est quelque chose qu'on m'a aussi rapporté. Il y a des clients qui m'ont dit, mais moi j'en ai marre de ces personnes qui sont jaloux de moi, qui sont tout le temps en train de m'envier, qui me jugent, qui me critiquent, qui me descendent, alors qu'ils me connaissent parfois même pas en fait. Et donc, moi ce que j'ai l'habitude de dire dans ce cas-là, c'est déjà ce que les autres disent, pensent ou quelque part, voilà, leur jugement, ça t'appartient pas. Ça leur appartient, c'est leur réaction, c'est leur blessure à eux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux te dire que une partie de ces personnes, en fait, reconnaît chez toi quelque chose qu'ils trouvent bien, d'une façon ou d'une autre. Et s'ils la trouvent bien et qu'ils la censurent, en fait, ça peut virer en jugement. Mais il y a quand même une partie d'eux qui t'admire quelque part. Et donc, le fait que il soit pas à l'aise avec une partie de toi qui rappelle une partie de nous, hein, je vais essayer de faire une phrase française en fin de journée, ça devient un peu compliqué. Comment je vais redire ça autrement? En fait, c'est vraiment comme si eux ne s'autorisent pas ce que toi tu t'autorises et ça les rend dingues, c'est vraiment ce que j'ai expliqué au début. Et donc en fait, dis-toi juste que leur jalousie, c'est juste qu'ils reconnaissent ça quelque part chez toi. Et donc qu'ils t'admirent, mais ils te le montrent d'une façon très très foireuse. Donc si les gens sont vraiment désagréables avec toi, pose tes limites, ne te laisse pas faire, voilà, dis-leur clairement que voilà, t'es pas d'accord avec leurs agissements ou avec leur façon de faire, mais reconnais aussi que quelque part, il y a une espèce d'admiration de leur part envers toi. S'ils ne t'admiraient pas, ils s'en foutraient en fait. Tu n'existerais même pas dans leur paysage. Il y aurait rien qui déclencherait chez eux. Tu ferais partie du papier peint et ça ferait ni chaud ni froid. Mais s'il y a quelque chose qui à un moment se déclenche chez eux, ben, c'est que ça leur rappelle une partie d'eux qui ne s'autorise pas. Et ça, c'est leur business en fait. S'ils ne s'autorisent pas ce que toi tu t'autorises et qu'ils t'en veulent pour ça, pas ton business. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais te dire par rapport à la jalousie, pour que tu puisses te réconcilier quelque part avec ce sentiment. Déjà que tu puisses alors l'accueillir, ça ne veut pas dire être d'accord avec le fait que tu restes jaloux et que tu rendes la vie infernale aux autres. Ça, c'est pas du tout OK. Donc les autres ne sont pas responsables de tes émotions, les autres ne sont pas responsables de ce que tu en fais, et certainement pas des projections que tu fais sur eux. Donc je ne valide absolument pas le fait que parce qu'une personne est jalouse, elle se mette à avoir des comportements agressifs envers des autres, ou à les critiquer, à les juger ouvertement, ça c'est pas du tout ok. Mais par contre, si tu es dans la jalousie et que c'est de toi à toi-même, je t'invite vraiment à laisser monter ce sentiment à fond pour le voir. Tant que tu le censures, tant que tu te dis non, faut pas que je sois jalouse, c'est nul, etc., ben en fait, tu vas louper des informations, tu vas passer à côté d'un message qui est peut-être important et utile pour toi. Parce que le problème, c'est que tant que tu ne vois pas ce message, tant que ce message tourne en boucle et de manière inconsciente, tu vas continuer à en vouloir aux autres, tu vas continuer à avoir des choses qui te déclenchent dans la vie sans jamais savoir pourquoi. Tu vas souffrir, tu vas faire souffrir les autres et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir t'aider là-dedans. Simplement parce que la traversée de cette émotion-là, et si tu veux résoudre cette émotion-là, ça va être de l'accueillir pour voir ce qui se trouve derrière. Alors, si tu ne sais pas comment gérer ça, si tu n'y arrives pas tout seul, ben, je peux t'aider. Comme d'habitude, bah, tu me contactes. Il y a les informations qui sont ici en dessous. Et sinon, je t'invite vraiment à oser aller voir tes sentiments. Ose, simplement. Au pire du pire. Tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, qui te fait peur, etc. Tu auras testé. Parfois, il faudra tester plusieurs fois pour pouvoir être à l'aise avec, voilà, avec ce qui vient. Et c'est OK aussi. Donc, prends le temps d'apprivoiser ce qui te fait peur et ce qui te fait mal. Parce que c'est en l'apprivoisant. C'est en te réconciliant avec ces parts de toi que tu vas pouvoir les apaiser. C'est pas en les chassant, c'est pas en les brutalisant, en disant non, t'as pas le droit d'exister. Enfin, ça va pas aller. Tu vas juste mettre un couvercle sur tes émotions et puis jusqu'au prochain déclencheur, il n'y a rien qui va changer en fait. Donc voilà,
Je te laisse avec ces réflexions et ces pistes d'exploration sur la jalousie. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre ma communauté si tu veux plus d'exercices, des lives, des outils, des partages et une communauté qui te soutient. Là-dessus, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !